Ah, t'as dit je t'aime, Calice. Tu l'aimes, ton frère, mon cœur? Maman, pas moi. À qui aujourd'hui? À Mimo. Tu vas aller? Tu vas dire joyeux anniversaire? À Mimo. Joyeux anniversaire. J'ai reçu toutes mes boîtes buanderie de chez Amazon là. Je vais vite faire l'appartement juste pour aller voir comment Georges s'en sort et pour ramener les vêtements pour qu'on puisse s'habiller pour l'anniversaire de mon petit-neveu. Circuler dans l'appartement. En fait, voilà, c'est quoi d'avoir des cartons. Voilà, je cherche depuis tout à l'heure mes sacs à main et tout, je les trouve pas, je sais pas, ils sont où mes poubelles. Alors les déménageurs, c'est trop bien, mais après tu sais pas où ils ont mis les choses, c'est ça, c'est une cata. Il va falloir que je vide tout pour redécouvrir mes sacs à main, je les trouve. Oh les filles. J'aime trop par contre les filles, les cartons comme ça là. Les cartons penderies. Au moins tu regardes tout ce qu'il y a, tu prends ici comme ça. Et t'as juste à la raccrocher dans le placard direct après. Donc ça c'est cool quand même. J'ai habillé tout le monde pour l'anniversaire les filles. Donc je vais vous rappeler ça. J'ai habillé tout le monde pour l'anniversaire. C'est aussi ma vie. Avoir retourné tous les cartons de la maison, je repars avec une tenue chacun et du champ. Ouais, merci. C'est pas besoin du tout, je me trimballe sans soutif depuis une semaine là. Là j'ai essayé de cacher avec le petit blazer là, mais va falloir que je retrouve mes soutiens-gorge ou que j'aille en acheter parce que ça peut être possible. Là c'est pas besoin. Pour me maquiller ma fille, maman ressemble à rien là en ce moment, maman. Par contre, qu'est-ce que ça fait bizarre de mettre un jean les filles. Je suis désolée, j'ai pris la première tenue que je trouvais et les filles j'ai pas de soutif, j'en cherche partout. Bon, j'y vais, c'est à 14h, c'est dans 20 minutes. Je vais me maquiller un peu vite, fait un peu léger. C'est comme mon anniversaire. Je vais rester parce que je me vois. Ah, maman, elle essaie de ressembler à quelque chose, mais. Maman, elle essaie de ressembler à quelque chose avec les moyens du bord, avec sa tête. Avec sa tête de déménagement. Donc, maman, elle essaie de se créer un peu de volume sur ses cheveux. De mise en hauteur, les filles, je les ai séchées à l'air libre. Je me suis lavée. Je préfère quand ça a l'air libre. Je ressemble à plus rien. Genre j'ai plus rien à me maquiller, j'ai plus rien, j'ai plus rien. J'ai perdu la moitié de mon équipe dans le déménagement. Je suis pas bien là, j'ai trop les nerfs mes poupettes. Faut que je me reprenne là, faut que j'avance. Mais à chaque fois que je veux avancer, quand je veux par exemple faire les cartons et tout, à chaque fois il y a un obstacle. Genre les filles elles me disent non, ça sert à rien qu'on fasse les cartons maintenant, autant attendre que tout se finisse, mais tout prend du temps, donc du coup je déballe pas mes cartons là, faut que je me force hein. Je vais aller à l'anniversaire, je vais rester une petite heure avec ma tante pour voilà, pour lui dire. Après je vais partir, je vais laisser Céana là-bas qu'elle s'amuse toute la journée avec ma mère, ma sœur et tout. Moi je vais faire mes cartons hein. C'est pas possible là. C'est pas du tout possible. Lundi je vais brancher l'électricité, moi mardi il y a de l'électricité, moi je m'installe avec un matelas, je m'en fous. Juste pour être chez moi avec les enfants et le rythme. Céana la même lundi. Mes poupettes. Ouais. Faut que je m'organise. Je voulais vous dire, parce que je prends pas souvent le temps de le faire et tout, que je vous remercie vraiment pour tous vos messages ces derniers temps. J'ai reçu une énorme vague d'amour, un pic d'amour de mes poupettes. Et ça me touche trop, ça me fait du bien. Et y en a plein qui m'ont dit oui, pendant cette période, tu devrais t'éloigner des réseaux et tout. Mais moi, les filles, je peux pas. Moi, là, si je m'éloigne, si je vous ai plus vous, si je me retrouve toute seule face à mes... comment dire, à mes obligations avec les enfants et tout, et que j'arrive plus à, en gros que je snap plus, que j'ai plus les poupettes qui m'écrivent, qui m'encouragent et tout, et bah là que pour moi je vais faire une dépression. Je vais pas vous dire que vous êtes mon antidépresseur ou quoi, mais en tout cas ça fait du bien d'être entourée, ça fait du bien. Moi j'ai besoin de ça dans ma vie. Moi j'étais la petite fille à l'école qui avait besoin qu'on me dise c'est bien, continue. Voilà, c'est Anna, j'ai remarqué qu'elle est comme moi, donc ça faut que je fasse un travail dessus parce que faut attendre rien de personne. En fait, faut s'auto-encourager, faut se donner des objectifs seuls. Mais moi, j'ai toujours été cette petite fille-là. Et en grandissant, je me suis jamais soignée. Donc, voilà, j'ai besoin de ça, en fait. Contente d'aller à l'anniversaire à Mimo? Ouais. Oui. Tu lui as acheté tes cadeaux ou pas?
T'as acheté quoi? La Mimo. Oui, mais t'as acheté quoi, Mimo? Comme cadeau. T'as acheté une voiture? Ouais. Oh mon âme, je suis dans ma vie. Calice est en train de téter, il est pas bien, mais poupette. Ma vie. Regarde, je l'ai coiffé comme ça, mon amour. Quand il a les cheveux bouclés, parce qu'il a les cheveux bouclés, Calice, mais je le plaque moi, parce que ça fait pas beau les cheveux bouclés. Salut. En gros, ça lui fait pas beau parce qu'il en a pas beaucoup de boucles. Ça fait 3 boucles qui se battent en duel sur sa tête. Ça fait quoi de plus avoir de lit? C'est bon les filles, je vais partir. De toute façon, la semaine là, j'ai pas le choix de partir. Il y a la mamassaye et tout, ça va pas être possible. Ça fait quoi de plus avoir de lit? Mes poupettes, même si je suis pas. Voilà quoi. C'est toujours mieux que la dégaine que j'ai depuis ces derniers jours, Kata. Au moins là, je me suis mis un petit jean et tout. C'est déjà mieux parce que moi, et je pouvais plus voir ma tête, je pouvais plus rien voir. Tout, j'ai envie de m'arracher ma tête. Voilà, au moins c'est dit, voilà. T'es contente? Je revois ma famille, ça fait du... T'es contente? Les filles, à chaque fois que vous me demandez c'est qui lui, c'est le frère à ma mère, c'est mon tonton. Ça va mon petit bébé? Ça va? Je revois ma famille, ça fait du bien. T'es un bonbon, t'es contente? Après, il est mignon les filles. Ça c'est les meilleurs anniversaires, je vous jure. Mignon les filles. C'est l'anniversaire à qui là? À moi. T'as quel âge? 7 ans. T'es content? Oui. Il est où ton gâteau? C'est mon petit. Il arrive? Oui. T'es content mon bébé? Oui. On souhaite un joyeux anniversaire à Mimo. Elle, Kenza. Tu sais, Naïm, c'est moi. Il me connaît déjà, Naïm, t'inquiète pas. Ouais.